droit et justice sociale, nous pas doué un prisonnier politique. Pas doué un prisonnier politique. Et leur privé au monde de liberté, c'est un bagage qui est extrêmement grave. Et leur privé de nous, leur arrêter le monde injustement. Mais pour qui ça dit, pour qui raison de faire un prisonnier politique? C'est parce que il y a des acteurs dans la chaîne pénale là qui contribuent à la situation. Ça. Doyen hein, ou bien doyen, c'est juge liberté qui est. Ça veut dire, les gens qui arrêtent arbitrairement, eh bien, avocat qui a fait une action en habeas corpus, pas devant doyen. Et même si le commissaire gouvernement ou bien le ministère public n'a pas venu siéger, ou bien même si vous avez venu siéger et les autant d'affaires, le commissaire a pas d'accord pour libérer mon nom, dernier mois c'est dans mes doyens liés. En général, comme commissaire gouvernement, c'est dépend de l'autorité politique, dans la question de liberté individuelle, les prisonniers politiques ne peuvent jamais être favorables à un habeas corpus, à ça nous arrive liberté et provisoire. Donc c'est responsabilité de doyen. Et dans le cas ça, dans le palais là, dans le cas Anel avec tout le monde, c'est Bernard Saint-Ville qui est responsable. Il est responsable parce qu'il y a plusieurs actions qui sont faites devant nous. Il n'a pas jamais agi. Et c'est même bagaille dans le cas policier et Gonnet, Abesson Gonnet. Ça vient deux semaines. Demain a fait 15 jours. Côté que une action en habeas corpus qui fait devant doyen pour demander pour libérer Abesson Gonnet parce que tout le monde connaît Abesson Gonnet. C'est un policier qui membre SPNH là et qui a mangé prison arbitrairement illégalement. Et mais qui s'est passé? Il y a fini dans des dossiers là. Et le commissaire gouvernement n'est pas favorable à la libération. Et la bonne autorité politique, tous les doyens, pas jamais décidé et n'est pas décidé et trancher sur le dossier ça. Donc si. Violation de droit qui gagne dans sa nourriture et liberté individuelle, les gens qui prennent prison arbitrairement, illégalement, surtout prisonniers politiques, dans la juridiction pour le président, le grand monde qui est responsable, c'est Bernard Saint-Ville. Et il contribue avec la situation de détérioration, situation de la justice dans la zone métropolitaine. Naturellement, on dit qu'il contribue, il n'est pas seulement responsable, il y a des questions de sécurité, il y a tout autre problème, mais. Pour question et prisonnier politique et persécution politique, c'est Bernard Saint-Ville qui est responsable. Pour aujourd'hui, vous espérez que vous avez un issue favorable? Non, il y a privé. Audience, c'est pour la forme, il y a fait quand même. Et le fait que. C'est commissaire gouvernement, c'est lui-même qui est chef poursuite. Et commissaire gouvernement, dans le coup d'appel là, et commissaire en chef là, lui renoncer avec appel là. Donc, il y a tant de lui, c'est pour la forme. Bon, c'est normal, c'est pour tant de lui. Il va libérer. Donc, Jijo, et je pense que jeudi, ou bien dans 24 heures, 48 heures, j'espère qu'il va prendre 11 semaines, il va mettre tout le monde en liberté. Mais il va libérer, il a libéré. Mais, on n'a pas besoin ni négociation politique, ni accord politique sur question de la justice. Depuis la justice la prend en otage avec la politique, pas de la justice. Donc, la justice là, et juge, magistrat, ça doit être comme boussole dans le cadre de travail, c'est la loi. Et ce n'est pas ça que nous avons fait dans le pays. Par exemple, sur le plan, dans le cas Petit Bois, février, et 7 février, 6-7 février 2021, il y a eu un paquet de arbitrairement, illégalement, des prisonniers politiques. C'est ici, dans le coup d'appel, ils ont décidé de libérer tout le monde. Donc, ou pas de bon accord politique dans ce sens. Ou pas besoin d'accord politique pour libérer les prisonniers politiques. C'est parce qu'on a un doyen qui a violé la loi et qui toujours mettait le bon côté autorité politique et la question de liberté individuelle. Alors que le doyen, on a parlé de juridiction pour tout présent, c'est le juge liberté qui est lié et il n'a pas fait ça. D'accord. Là, c'est une occasion pour vous avec les prisonniers. Et songez, moi j'ai fait 3 mois de prison comme prisonnier politique dans la même cellule avec Anel Bélizer et GNB qui fait arrêter dans la radio Caraïbe. De son devoir pour m'accompagner dans tout ça, on a fait pour une libération ensemble. Et pour qui ça, je t'apprends pour droit. Pour les gens qui parlent de l'expression, c'est une liberté fondamentale que le pouvoir a une responsabilité pour faire respecter. Donc, c'est une combinaison qui fait et que vous mettez les gens en prison, vous faites tourner des prisonniers politiques, vous ne pouvez pas avancer. Jodian,
et que nous-mêmes, dans le cadre de bataille, nous fait. Nous féliciter la presse, ça pas jamais quitté le dossier, ça a mouru. Nous féliciter tous les militants toujours qui campent et qui sitting yo. Nous féliciter les avocats. Et là, pas de parole de justice, j'en quête mon table, vous comprenez. Parce que des gens, pour exister, il faut que tu aies un prisonnier politique tout le temps. Et bien, qu'on y est là même, le 3 mai 2021, c'est en santé de fait. Le commissaire gouvernement pas de venir. Et les commissaires gouvernement pas de venir, même quitter le dossier, là, il n'y a pas de café. Et puis à ce moment, ils font action de saisissement auprès de cassation. Et comme si nous étions là pour éternellement. Mais nous continuons à faire bataille politique là, ni dans le niveau béton, hein, ni dans le niveau intellectuel là, ni dans le niveau de la presse là, pour nous arriver à joindre que M. Sayo vient présenter devant le tribunal aujourd'hui. L'espoir, la guerre, l'espoir, les possibilités pour de libération. C'est bataille, la bataille. Droit d'expression son droit fondamental lié, constitution garantie. Mais il y a un procédure qui a fait là, mais je ne suis pas capable de dire qu'il a libéré même moment ça là, puisque en procédure, moi-même, l'air de prendre comme prisonnier politique, je juge le 17 décembre, je viens libérer juste le 23, parce que là, on fait ça avec l'exécutif et tout ça. Mais étant donné que tout le monde connaît, c'est par méchanceté, M. Sayo là, donc on y a là même. Si vous êtes capable de jouer des stratégies pour permettre à vous retrouver famille, je pense que c'est une bonne démarche. Vous espérez que vous avez triomphé par rapport à les prisonniers politiques? Et en Haïti, il est difficile pour dire la loi a triomphé parce que lorsqu'on est dans un pays, il n'y a pas d'état de droit. Donc, nous avons pour nous faire la loi, pour nous faire ce mot du droit qui triomphe dans ce sens-là. Nous avons pour ça. Mais de toute façon, nous ne pouvons pas camper, nous continuer jusqu'à ce que nous joignions libération. Merci. Bravo, moi d'avant. C'est Jacques Soir. This empty moon. Et justice sociale, nous pas doué des prisonniers politiques. Pas doué des prisonniers politiques. Et leur privé au monde de liberté libre, son bagage qui est extrêmement grave. Et leur privé de leur arrêter le monde injustement. Mais pour qui ça, pour qui raison que fait des prisonniers politiques? C'est parce que il y a des acteurs dans la chaîne pénale là qui contribuent à la situation. Ça. Doyen hein, ou bien doyen, c'est juge liberté qui est. Ça veut dire, les gens qui arrêtent arbitrairement, eh bien, avocat qui a fait une action en habeas corpus, pas devant doyen. Et même si le commissaire gouvernement ou bien le ministère public n'a pas vu siéger, ou bien même si il a vu siéger, et il y a autant d'affaires, le commissaire a pas d'accord pour libérer les gens, dernier mois, c'est dans mes doigts. En général, comme le commissaire gouvernement, c'est dépend de l'autorité politique, dans la question de liberté individuelle, les prisonniers politiques ne peuvent jamais être favorables à un habeas corpus, à ça nous donne la liberté et provisoire. Donc, c'est responsabilité de doyen. Et dans le cas, ça, on a parlé là, dans le cas Anel avec tout le monde, c'est Bernard Saint-Ville qui est responsable. Il est responsable parce qu'il y a plusieurs actions qui fait devant nous, il n'a pas jamais agi. Et c'est même bagaille dans le cas policier et Gonnet, Abesson Gonnet.
ça a gagné 2 semaines. Demain a fait 15 jours. Côté que on a action en habeas corpus qui fait devant doyen pour demander pour libérer Aberson Gonnet, parce que tout le monde connaît Aberson Gonnet. C'est un policier qui est membre SPNH là et qui a mangé prison arbitrairement, illégalement. Et mais qui s'est passé? Il y a eu des dossiers. Le commissaire gouvernement n'est pas favorable à la libération. Et une bonne autorité politique, tous les doyens, pas jamais décidé et il va décider et trancher sur le dossier. Ça. Donc si. Violation droit monde qui gagne dans sa nourriture les libertés individuelles, monde qui a pris prison arbitrairement, illégalement, surtout prisonnier politique, dans la juridiction Port-au-Prince, il y a un grand monde qui est responsable, c'est Bernard Saint-Ville. Et il contribue avec la situation de détérioration, situation de la justice dans la zone métropolitaine. Naturellement, on dit qu'il contribue, il n'est pas seulement responsable, il y a des questions de sécurité, il y a tous les problèmes, mais pour question et prisonnier politique et persécution politique, c'est Bernard Saint-Ville qui est responsable. Vous espérez que vous avez une issue? Non, il y a libéré. L'audience, c'est pour la forme, il y a fait quand même. Et le fait que. C'est commissaire gouvernement, c'est lui-même qui est chef poursuivi. Et commissaire gouvernement, dans le coup d'appel là, et commissaire en chef là, lui renoncer avec appel là. Donc, il y a tant de lui, c'est pour la forme. Bon, c'est normal, l'aime dit que c'est pour tant de lui. Il va libérer. Donc, Jijo, et je pense que jeudi, ou bien dans 24 heures, 48 heures, j'espère que je vais prendre 11 semaines, il va mettre tout le monde en liberté. Mais il va libérer, il y a libéré. Mais, on n'a pas besoin ni de négociation politique, ni accord politique sur la question de la justice. Depuis la justice, la prend en otage avec la politique, pas de la justice. Donc, la justice là, et juge, magistrat, ça doit être comme boussole dans le cadre de travail, c'est la loi. Et ce n'est pas ça que nous avons fait dans le pays. Par exemple, sur le plan, dans le cas Petit Bois, février, et 7 février, 6-7 février 2021, il y a eu un paquet de monde arbitrairement, illégalement, des prisonniers politiques. C'est ici, dans le coup d'appel, ils ont décidé de libérer tout le monde. Donc, ou pas de bon accord politique dans ce sens. Pas besoin d'accord politique pour libérer prisonniers politiques. C'est parce qu'on a un doyen qui a violé la loi et qui toujours mettait le bon côté autorité politique et la question de liberté individuelle. Alors que doyen, on a parlé de juridiction pour tout présent, c'est juge liberté qui est lié et il n'a pas fait ça. D'accord.